Et salut tout le monde, c'est Firecrox et aujourd'hui on se retrouve pour Universe of Starbound partie 10. Et oui, déjà 10ème partie, ça avance vite, enfin ouais, on va avancer je pense très bien pour l'instant. On s'en sent pas mal. La fois, c'était l'épisode spécial 1h hein, de nous retourner des vacances. J'espère que ça vous aura plu, c'était encore d'exploration, c'était comme l'épisode 4 hein, c'était assez long. Je vous montrais surtout des lieux qu'on n'avait pas encore vus. Alors là, surtout, après j'avais fouillé moi en off, là, juste après les deux dernières planètes qu'on n'a pas fouillées, c'est-à-dire cette planète qui est le biome forêt. Parce que, en fait, j'ai déjà tout exploré, bon, il n'y avait pas grand-chose, il y avait encore les... Vous savez, comme dans l'épisode juste avant, je crois, où il y a deux épisodes de cela, j'avais fait montrer là les... sortes de vampires qui ont les ailes un peu violettes dans le dos, là. Il y en a sur cette planète encore. Puis il y avait pas mal de repères, au moins 3 sur le passage. Et j'avais retenu ce lieu là, que j'attendais depuis très très longtemps, que je voulais absolument trouver au bout d'un moment. C'est en rapport avec un truc que je vous parlais tout le temps, enfin souvent, pour une certaine armure, enfin des armures surtout. Et puis je l'ai enfin trouvé sur cette planète. Alors après j'ai déjà tout préparé les minerais, on ira sur l'autre planète, la dernière qui reste de cette zone. C'est-à-dire le biome lune, enfin moon je veux dire, avec l'appareil respiratoire qu'on créera juste après. Mais juste avant, je vais juste vous montrer ce petit lieu. Hein, ah oui, juste une petite info, si vous l'entendez, je pense que vous l'entendez certainement, que j'ai changé de micro, enfin de casque, donc de micro. Alors je fais quelques tests son, il est pas mal qualité. Ah ta gueule, sauf que on a l'impression que je parle dans une bulle. C'est en fait on a eu avec les anciens casques faisaient pareil, c'est juste que ça vient de ma carte son mon PC qui est vraiment merdique. Ça c'est vraiment, ça fait vraiment chier je pense. J'ai pas envie de la changer de son, ça sert à rien, puis je connais rien, mon carte son est tombée. Faudrait que faudrait donner le PC pour qu'on fasse la modif, mais... J'ai envie de le garder, hein, c'est bon quoi, je peux pas m'en passer moi, hein. Bon bah j'espère que ça vous fera pas chier. Je pense que ça fait un peu bizarre avec du silence dans le métro là, quand je l'ai annoncé hier pour mon playthrough, le métro Last Night, ça va encore, il y a de l'ambiance, mais là vu que c'est souvent que du blablabla dans cette série, on va dire c'est un peu... Ça va être un peu pénible je pense. Ah voilà, c'est le fameux temple glitch de la race des robots, je veux dire. Ah oui, alors déjà la pesanteur qui est super cool. Alors quand on est ici, hop, on saute comme ça, on tombe aussi sec. Et quand on arrive dans la zone, wow, on vole. Alors par contre, eux, ils sont assez costauds. Ah bah, enfin, tu... Salaud. Tiens, ah ça va, ça fait mal. Ça fait assez mal, c'est bon. Alors, ce qui est marrant... Hop. Non, toi tu es pas méchant. Ça, faut les casser, ça cache des pixels. C'est vraiment intéressant. Ah, c'était le mec qui était... Oh, joli. Tiens, vol. Et la fameuse lumière, c'est des torches, mais un peu du futur. Enfin, vraiment très très moderne. Elles sont stylées. Je sais pas si vous veulent des lampes, enfin des torches assez stylées. Vous avez le choix. C'est pareil, ça se pose comme des torches pour le mettre dans l'inventaire, ça fait ça. Vous pouvez y mettre où vous voulez, c'est super. Hop. Il me semble que j'ai tué tout le monde. Ah non. Dégage. Oula, c'était de latence moi que j'ai eu. Je sais pas si ça se verse dans la vidéo, mais du coup je l'ai vu se téléporter, je l'ai touché juste après. Oh, j'avais pas tout... Ah, mais j'ai pas fait... en fait j'étais pas allé jusqu'au bout, en fait je crois que quand j'ai découvert le lieu je m'étais arrêté, j'étais revenu sur mon don et ça je l'ai pas, mon spy boost. Bon bah attendez, j'ai juste regardez ce qu'il y a dans les coffres parce que ça intéresse. Oula, mais un truc très intéressant. Bon les coffres on les connaît, je crois qu'on en a déjà eu les coffres. Wouah, la phase. Alors là je suis vraiment étonné, c'est la première fois que je trouve ça. Ah je suis content là, je suis content là. Ça peut se le sentir. Hop, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le coffre. Et ça... Des portes.
Ah, on peut créer des trucs spéciaux avec tes yeux. Ah, fuck, faut que je casse l'arme pour moi le coffre. Moi le bois. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a encore des bananes. Bah, on verra après, hein. Bien, j'ai exploré moi-même de mon côté, de toute façon vous connaissez déjà les arbres avec les yeux, hein, tout ça. Ouais. Ah, une pluie d'étoiles filantes. Je crois qu'on l'avait déjà vu en vidéo, il me semble. On avait déjà aperçu ça. Alors hop, je pique tout. En plus là ça va être la nuit bientôt, ça fait 5 minutes que je suis sur la planète, je vais pendant tout le lieu. Je vais peut-être passer par l'autre côté, mais le problème c'est que j'aurais découvert ça juste avant, alors ça n'intéresse pas les gars là. Ça tombe bien en fait. Bien vidéo. Alors bon, je pille tout, hein, aucun respect. Allez, d'abord ici, regarde, vous avez vraiment des trucs assez sympas pour les murs. Ça fait des sortes d'écrans plats, des télé. C'est souvent fait de la déco ici, enfin en termes de modernisme, on va dire. Ça me plaît. Alors là, ne surtout pas descendre de ces ces marches, vous voyez, c'est un piège. Enfin, un piège, non, mais on y voit, mais. Ah ouais, là, il y a vraiment son ici. Beaucoup de pièges. J'espère que j'ai pas trouvé tout de suite la zone, c'est ça. Parce qu'on est là, voir en dernière, mais c'est pas grave. Ce rappel-là, bah, c'est ici qu'on trouve ce fameux matter block que j'avais déjà montré sur une armure, là, qu'on voit ce qu'il faut pour une armure. Et bah c'est dans ce lieu qu'on peut le trouver. Alors on va voir où ça se cache. Faut bien trouver où c'est pour ça. Ça je vais pas tomber tout de suite dessus, ça c'est un peu. On espère un peu quand même. Ça c'est pas mal. Je pense qu'on peut descendre là, il y a la lumière. Ah, surtout pas péter les vitres, hein, avec la pioche. C'est un peu de la lave qu'il y a dedans, hein. Je précise. Oh, calme. Ah, mais ce qui touche bien c'est l'enculé. Voilà, je suis trop en noir dans cette zone où il y a de l'électricité. Ah, c'est un peu chiant avec taper des trucs. Monte dessus, ça sera plus simple. Je m'excuse, hein. Ah merde, j'ai oublié de fouiller les casiers. Ah bah c'est un cul-de-sac. Juste retourner fouiller les casiers là que j'ai manqué. J'ai pas utilisé sur le coup, j'ai perdu l'habitude, c'était un moment, je vais pas tomber. Ah, c'est un truc de scientifique. Tiens. Ah, là aussi on peut trouver pas mal de steampack dans ce lieu, c'est pas mal. Tac. Hop, merci le pouvoir cheaté que j'ai trouvé. On aura le meilleur bien plus tard, pas tout de suite. On sera level 7. J'aurai le fameux pouvoir là que depuis des lustres. Aïe, il manque que je l'ai, je vais me faire plaisir avec. Enfin, pour l'instant, je vais pas trop me faire plaisir, je trouve ça m'a beaucoup de malaise, je suis encore un bas level. Je suis level 3 là, on va dire, avec l'armure. On va avoir l'armure 4 tout à l'heure, juste après. J'ai miné tout ça. Le mana se consomme assez vite, alors c'est un peu pénible. Alors on peut trouver des fameux coffres high-tech bleus, souvent bleus, je pense. Ah, qu'est-ce qu'on a, des sites de machin, des épées, parce que ça propose 28, j'ai un speed de marteau avec une... elle fait des flammes, elle m'intéresse plus, 32, oui, de 23, ah, de 23, c'est pas grave, ah, elle est carrément plus puissante à côté. Bon, un bouclier comme tant d'autres. On s'en fout. Moi je garde les plus jolis. Souvent le. Il n'y a pas trop de différents boucliers. Enfin, il y en a des uniques. Sauf que ceux qu'on voit souvent, les trucs en fer, comme on vient de voir. C'est souvent qui sont bleus ou entourés un peu de jaune. Comme celui que j'ai là, celui de. Le fameux bouclier du roi là. Sauf qu'on peut le retrouver pareil, mais sauf que c'est pas le même nom, c'est tout. Ah, c'est dommage, y'a pas tellement de skins pour les boucliers. Les armes, c'est sûr qu'il y en a un paquet. Il y aura toujours un peu des armes aléatoires, on va dire. Comme à la Borderlands, on va dire. Le nombre d'armes qu'on peut trouver, c'est impressionnant. Enfin,
de... Ouais, de type. De... Non, pas de type, comment on dit, je sais plus. Il y a un spécifique. De... Ah, je sais plus quoi. Je sais plus. Je vais en parler juste après ce qu'il y a ici au milieu. Vous aurez certainement compris c'est quoi. Juste avant, j'ai fini de fouiller la zone. On prendra ça en dernier. Au retour. Je pense qu'il n'y a plus rien. Ah, c'est ça. Oh, encore un coffre. Oh non, le chien, tu te gueules pas. Hein. Et... Je vais faire une petite ellipse, hein, le temps que il arrête. Et voilà, il s'est tué. Oh, ah ouais, j'ai changé d'arme entre temps, le temps qu'il arrête d'aboyer. J'ai remarqué que j'avais eu drop un marteau, enfin, ou j'ai pris dans le coffre sans pas exploser. Qui est beaucoup plus puissant que l'arme que j'avais fabriquée. Celle du poison, alors ça tombe bien. Ah, le speed, c'est un truc de marteau. Ouais, je l'utilise moins avec le bouclier. C'est pas pour tout de suite que je l'utiliserai. Bouclier et la petite épée, ce sera plus pour des zones où ils sont des armes, on va dire, quelque sorte. Ouais, mais c'est à la phase des la phase tu NZ la merde. Hop, je me sers un desk qui je n'aime pas trop la lance. Je vais préparer avec 39 plus de speed. Ouais, la merde. Et elle a fait des flammes, pas quoi. Dommage. Le but c'est un marteau. Ouais, je préfère mieux le... Enfin, c'est une double axe. Ouais, je préfère mieux le marteau pour l'instant. Niveau rapport, c'est mieux. Doucement, ne pas tomber tout en bas, ça serait foutu. What? On a un truc creux. Bon. Alors voilà, le fameux... Bon là c'est le contenu, c'est ce qui contient le l'ingrédient qu'on veut, hein, bien sûr. Alors juste pour bon, c'est obligé de prendre des dégâts, vous verrez, pour le libérer. Vous appuyez sur eux, hop, ça libère tout, et vous avez plus qu'à miner. Ouais, c'est un peu... Première fois je m'étais fait tuer par ça. J'étais très très bas level, je crois que j'avais pas pris de potion à ce moment là pour le bandage. Et je pensais que ça allait rien faire, je crois que c'était juste un truc à, pour interagir et ça me tue comme ça. C'est waouh, je fais c'est quoi ce bordel. Mais à chaque fois je connaissais pas, je voyais ce matériau, ce fameux matériau violet sur les murs, tout ça, mais je ramassais pas forcément. J'avais jamais pris conscience qu'il fallait y ramasser sur le coup. Sur le coup, ouais, je connaissais pas. C'est quand une fois je me suis dit, allez, je vais peut-être ramasser pour voir ce que c'est. Et il s'est avéré que c'était ça. Aïe aïe aïe. Ah, à force de... Je sais pas pourquoi j'avais pas eu le réflexe de regarder ce qu'il y avait, ce que ça faisait dans le piochement. Je pensais que c'était juste un truc décoratif. J'avais pas trouvé trop d'intérêt, on va dire. Bon, est-ce que je vais faire une petite ellipse encore, hein. J'aurais fait déjà une seule s'il y avait le chien. Le temps que je finisse de visiter vite fait la planète, voir ça si je trouve encore autre chose. Et on se retrouve dans le vaisseau. A tout de suite. Et alors voilà, je vous retrouve dans le vaisseau. Bon, alors, résultat des courses. Hein. Bon bah on avait déjà trouvé ça. Hein. Bon bah je vais le mettre juste pour le style. Épique. La première fois je trouve ça, hein, franchement. Ça rend pas mal. Attendez, il me semble que... Ah oui, c'était mine assez le barre, ça. Donc, alors j'ai fait un peu le tri vite fait, juste réagencer tout ce que j'ai. J'ai un peu le bordel. Je garde les potions de vie, tiens, ça va... encore plein de bouffons, oh là là, c'est bordel. Impressionnant. Le matter block, on va le mettre là. Ici devant, j'ai ça, j'ai des carapaces. J'ai... Ah oui, aussi j'ai trouvé une robe de mariée. Pas mal. On va poser ça. Oui, j'ai tellement planté de ça que j'ai décidé en plus. Ça va rien faire pour l'instant. Le bois.
le bois en jette, rien à foutre. Ça, je l'ai rangé juste après. Non, l'avion de chasse. Ah non, c'est les motos qui... Oh gueule, la moto. Putain, il fait abouiller mon chien. Culé. Tac tac, je change vraiment vite fait là. Tac. Je reviens à tout ça. Oui, il est tout seul le machin. What the fuck? C'est pas le temps. C'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Est-ce que... Ah si, oui, j'avais déjà... Yes, il manque plus que le haut. J'ai le... Enfin, j'ai le... je veux dire le... la tête. J'ai le torse, j'ai... Et le truc scientifique, bah, pour l'instant. J'ai pas tout trouvé. C'est où les coffres? Coffres! Montrez-moi les... Ah non, c'est un coffre qu'on connaissait pas, tiens, bah tiens, tant bien. Je pense que c'est la première fois que j'en vois aussi des comme ça. Il me semble. Je me trompe. Je sais plus. Alors. Stop. Ah. Je vais poser le chapeau. Je vais être là pour l'instant. Si je pense en... J'ai pas tout. Alors, voilà, j'ai posé un petit coffre Royal Chest en même temps. Je vais se poser. Je sais, je sais, je suis chiant. Alors voilà ce que la note... Enfin, que j'avais retrouvé sur cette planète, bien sûr, la ouais. Que j'ai déjà pillé. J'ai trouvé une cape. Alors là, ça peut être sa mère. Ah là, je suis beau, là. Enfin, elle est belle, ma gonzesse. Avec une cape. Il me manquerait plus la cape rainbow, enfin la cape magique des astro-martiales, ça serait trop, trop classe. J'ai trouvé un chef spawner. Que... non, je n'en ai pas tout. Non, ça je l'avais déjà montré ça. Je me perds dans mes trucs moi. Est-ce que... J'avais déjà trouvé un chef. Ah. Et je sais plus ce que j'en étais en fait, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Ouais bon bah c'est pas très grave. On va prendre ça, on va prendre ça. Bon le chef on le laisse. Hein. J'ai juste à prendre le pouvoir. Tac, tac. Tac. Que je ne connais pas et qu'on va débloquer tout de suite parce qu'il nous reste encore une place, ça tombe bien. Lock in. Ah, je vais vous montrer ce que ça fait, c'est assez marrant. Ah. Hop, on va prendre ça. Voilà, je vais pas avoir beau là, si vous avez compris, ça fait référence à la Morph Ball, enfin quand Samus Aran de Metroid se met un Bobble avec son armure bien sûr. On peut même faire comme elle, je crois qu'on peut faire... Ah merde, ça a explosé. Non, ça a rien pété. Ça a pété mes coffres, mais... on peut lâcher des petites bouboules. Sauf que ça nous... Oh putain, mais... Non. Le mec en pleine vidéo, quoi. Alors, quoi. Bon. Ah, j'ai tout fait les matériaux. On va regarder ce qu'on peut nous... se fabriquer bien sûr avec la fameux non oui, c'est pas... le fameux Durastel. Je cherchais ce nom en fait. Alors normalement j'en suis à quelle armure en mode je oh, c'est hardcore. Non, c'est le level 3. Est-ce que j'ai déjà fait la gold? Oui, j'ai déjà fait la gold, oui, c'est où j'en suis. Ah non, la nouvelle armure est ici. Oui, voilà. Alors déjà, direct, on se fait l'armure. Mais direct. Alors maintenant, il n'y a plus besoin de créer une armure pour après le grade, on va dire, comme on a fait avec le silver, tout ça. Le dernier, c'était l'armure. Il n'y a pas eu l'armure entièrement pour le god juste après, là, non. On a directement passé... Même pas si le platinum, la platinum pourra la faire dans ici aussi, mais il n'y a pas grand intérêt. Voilà, elle est moins puissante, ça sert strictement à rien. Tu vas arrêter d'aboyer toi. Oh là là là. Nible. Ouais, je me mets à poil. Ouais, je sais, censuré. Bon, juste à quoi on ressemble avec. What the fuck, on dirait un samouraï. Bon, voilà. Déjà, on a l'armure. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Machin, les armes, les armes, les armes, les armes.
Je peux créer la nouvelle. Ah oui, alors oui, oui, d'accord, d'accord. 125. Non. T'arrêtes. Je suis en train de m'empêter. Non, secours. Tu peux pas faire dodo un peu. Tu vois pas que je suis en train de tourner. Non, 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 tu vois pas. Non. Je vais prendre la hache. Ah, direct. Ou non, attendez, attendez. Arrête. Arrête. Attendez, je fais une petite ellipse. Il est pénible. Et ouais. Bon, alors, où on était, je sais, voilà, il saoule, hein, on va laisser tranquille. Donc, le truc qui nous intéresse beaucoup pour poursuivre l'aventure, c'est cette machine, la créature capture station. Bam, ouais, faut juste tu restes, elle est pas mal de pixels, c'est pour ça que j'avais pas mal de pixels déjà tout à l'heure. Bon, je suis à 8000 maintenant, c'est encore pire. Mais bon, voilà. Alors, on va la mettre là. Pour l'instant, il faut laquelle est ici. Non, c'est pas ici, je la mets à côté d'elle. Pour l'instant, on s'en fout. On va la mettre là-bas. Alors, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça. Oui. Le fameux bah, APA pour le quatrième boss. Comme les autres boss, sauf que là, c'est un peu comme un attrape-souris. Bestiole dans la forêt. Ça c'est marrant. C'est quoi, on dirait un paquet de chips. Ouais, les aliens, ils adorent les paquets de chips, ça c'est très cool ça. Et puis ça, alors ça, je sais. Je m'en suis déjà servi, mais je sais pas du tout à quoi ça sert vraiment. Bah, je me renseigne sur ça, ça j'ai jamais rien compris pourquoi. Des fois, je me rappelle, il y a un mec qui montrait des trucs là sur la vidéo et je crois, mais il en a plein sur lui de ça. Plein, plein, plein. Et j'ai testé un moment et je quoi ça sert 50F, alors je comprends pas trop ce qu'il raconte. Bon, alors ça déjà là-bas c'est fait. Ah par voilà, maintenant ça c'est fait. Ah oui, et puis je me suis pas encore renseigné pour un sur la sur on va dire l'équivalent de la redstone sur Minecraft, le circuit électrique on va dire. Mais bon, on s'en fout. Pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'avais un truc de... Ah oui, voilà. Alors déjà, vous voyez que là, y a rien. On a accès aux fameuses drills. Ah ça, j'ai pas, je pense que j'ai pas fermé ça. Si, j'ai fermé, je crois, les deux... Je sais plus. Je ne sais plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. La machine pour respirer. Dans, bah, ouais, pour respirer l'air. Ce qui concerne les Moon et quel autre truc et les champs d'astéroïdes. On va pas encore visiter. Non, il y en a pas ici. Je crois qu'il y en a dans l'autre zone, mais pas ici. Ça, ça rend pas mal. Sauf que petit inconvénient, mais faut le mettre dans le dos. Le problème, c'est que sur la Moon, c'est pas très bien éclairé. On voit rien dans les grottes. Faut bien pas les torches. Alors ça c'est un peu dommage. On peut pas garder, même si on met le stick ici, ça éclairera pas, donc c'est juste la déco là. Faut que ça soit ici pour piquer la lumière. Pour l'instant, on va pas le mettre, on va le garder sur ça. Ça va être, on va dire, essentiel. Ce que je vais faire, je vais regarder. Il me semble que... J'ai encore assez... Oui. Je vais me faire l'arme, bien sûr, je pense. Oui, la puissance qu'a fait, laisse tomber. Ah oui. Et après... what? Ah non. What? What? Attendez. Qu'est-ce que j'en ai fait? Dites-moi pas que je l'ai jeté sans faire exprès. Je me tue là. Elle a un gros fail si c'est ça. Non, la chose. Il y en a qui ont dû se marrer, je pense. Ok. Ah non. Ouh, j'ai eu peur. Ah oui, c'est des blocs, putain. Ah, mais je m'y ferai jamais. J'ai eu un coup de panique là d'un coup.
récupérer du bois. J'ai fermé un peu le titanium, puis j'en ai fait des titanium panels. Alors ce qu'on peut faire avec du titanium, je crois qu'on a plusieurs trucs d'intéressant. Je ne sais plus, non c'est pas là-dessus, c'est là-dessus. C'est... Non. Attendez, je vais faire une recherche. What? Merde. What? Mais... Attendez, mais what? Non. Tu qui disparaisse ou quoi, ma parole? What? Attendez, mais les gens, je... Ah, non. Ouh, non, on me réveille. Le fameux pistolet à peinture. J'avais le collant. Voilà, ouais, collant. Ils sont plus là, c'est tout dedans. Et on a usé 20 titanium panel. Et il me semble que j'avais encore un truc à vous montrer. Titanium panel, je sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Très très bien, bien sûr. Bon bah non, peut-être pas. Je ne sais plus. Ah, attendez, est-ce que c'est là-dedans les armes? Les armes spéciales. Ah oui. Un machin. Ah celle-ci. Network. Space. Ah je pense que c'est pour l'eau. Et le c'est pour l'espace. Il me semble que on peut faire. Non, ça c'est la mur de base en celui-là. Oui, je sais. Non. À moins que ça soit une armure que je peux faire en plus. Ah non, c'est l'armure spéciale Matterblock. Sauf que si on compare... Ouais voilà, non, c'est dense. Voilà quoi. C'est bien comme matériau, mais non, c'est la meilleure, ça sert à rien. Que dalle presque. Non, ce qui nous intéresserait c'est celle-ci. Ça éviterait que j'ai le système dans le dos. Ça me paraît pas mal. Des matter blocks. Je vais poser des iron bars et des machins. Alors les iron bars, est-ce que j'en ai voulu, j'en ai. Attendez, juste. J'avais fermé les trucs, c'est ce qui me semble. Et Matter Block, et... Ah oui, c'est ici, j'ai assez. Oui. Faites-on voir. Faites-on voir. Space. Alors, si c'est dit space, c'est-à-dire que c'est pour respirer sous l'eau. Censé. Mais censé. Et bien censé. Bon, alors on va le garder avec nous, ça sera pas mal. Alors, titanium, il va plus rester. Je sais pas pourquoi il va le garder seul. Le paint tool aussi. Tac, et nous ce qu'on va faire, je vais créer la petite ah je vais faire les drills. Tac tac, je suis un peu, ça, moi, je vais vous montrer le fameux biome. Le fameux biome. Moon. On va faire la copper. Voilà. Craft. On va faire la silver. Craft. Voilà. Gold. Craft. Et j'ai pas assez de sous. Si j'ai assez de platinum. Ouais, fuck it. Ouais, regardez ce que je vais faire. Je vais faire fondre du temps et je vous reprends juste après. A tout de suite. Et voilà, alors j'ai fait fondre plein de pixels. Bon bah j'arrive pas assez hein. C'est bien dommage, même si je fais tout ça, je pense pas que j'en ai assez. Je vais vous montrer un peu le prix déjà de la platinum. Hein, 3200, vous voyez, ça fera la moitié. En plus, si je fais le faire tout ça, ça sera même pas suffisant. Bon, on aura la drill en diamant pour la prochaine fois, c'est pas ça. De toute façon, j'ai déjà les diamants de côté, hein. C'est pas un souci. Voilà, quoi. Hein. On a déjà la platinum, ou à poste privé. Hein.
On va tout de suite la mettre à la place. Hop. On va pioche. Pour l'instant, je vais mettre la jauge. Merde, j'ai oublié, j'avais ce pouvoir. Non, sort d'ici. Voilà. Donc, et bah voilà. Et bon, bah j'ai. Oh, je sais pas faire d'ellipse. Hop. Allez, on va aller directement sur la lune, on va voir ce que ça donne. Alors déjà on va tester l'appareil respiratoire pour que je vous montre un peu ce que c'est. Hop. On va mettre les trucs comme il faut. Je m'entends plus. Ah non, sans bon, je rappelle de la bouche aussi. Du titanium. Ouais, j'aime bien classer, moi je suis un peu maniaque sur la bande. Je suis comme ça. Regardez ça. Hop, je vais tout classer de toute façon. Parce que je vais faire avec le dernier sou qui me reste, tiens, je vais pas me priver, de toute façon. Je ferai des sous pour la prochaine fois, c'est pas un souci. Sans faire des bandages à gogo. Voilà, bon, allez hop, tous les bandages, on a nos bandages. 64. Minecraft 64. Non. Pas le ce fameux chiffre. Regardez comme ça fait la drill. Stylé. T'as pas l'air con avec les comme ça. Ouais. Rap the planet. Bon, alors on voit pas mon instrument. Juste. J'ai le bruit côté quoi. Regardez comme ça fait un pas mal. C'est pour ça qu'il vaut mieux le couvrir. Je le cap vraiment, c'est pas mal. Wow. Alors what the fuck, des fois, alors, j'ai jamais compris normalement. Lune. Ah ça après ça dépend, je sais pas, mais en censé dans l'espace de ramener la bonne gravité. Mais là non. Il y en a certaines de moon, non. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça en moment. Hop. Ah je suis désolé niveau de l'épisode. C'est pas... Oh putain mais je suis en train de mettre froid mec. Ouah. La phase. Arrête avec la dernière armure, j'ai froid. Oh. Ah bah putain, la première fois ça marche. Bon bah je crois que ça va être un peu pour aujourd'hui hein. C'est dommage, je voulais montrer un joli village. Bon bah une prochaine fois je pense. Bon vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Déjà il n'y a pas le soleil, enfin il n'y a pas de fond. Le fond c'est directement l'espace bien sûr. Il n'y a pas d'atmosphère. Et puis le son, si tu respirais. Ah sauf que j'ai pas testé le fameux casque. Juste à tester le casque. On va voir ce que ça donne. Ah si je respire aussi avec. J'avais pas vu ça. Ah oui, je respire bien avec le casque. Ah. Bon bah c'est le casque est mieux. Le casque est beaucoup mieux que juste aspirer l'inspirateur de merde. J'ai utilisé aussi à l'époque. Ouah mais la face, comme j'ai froid. J'ai oublié que ça y avait beaucoup de froid. Que... Bon bah au moins, je vous aurais mis du suspense. Attends. La drill, trop cheaté. Vite. J'aurais pris une arme. Bon bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Je peux pas faire grand chose, c'est bien embêtant. Je pensais pas craindre le froid autant là. Je suis un peu déçu. Enfin pas déçu. Je l'ai complètement zappé, je pensais plus à cette histoire de température. Je suis justement l'habitude aussi que j'ai exploré ça en dernier, alors voilà quoi. Une one and two. Ouais, genre. Wow. Putain le DPS quoi. Enfin le speed. Ouais. Là. Je teste. Vitesse. Mais elle a fait des flammes, je préfère. Le mec. Je préfère me garder les flammes. Bon ouais. Bon bah on va s'arrêter là pour les gens. J'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. C'est un peu la reprise après l'épisode spécial, on va dire. J'avais préparé, mais bon, ça a été un peu à l'improviste un peu. En fait j'avais préparé, mais ça faisait plus d'une semaine déjà. J'ai complètement oublié ce que je voulais faire. Bon bah voilà, on a déjà l'armure, tout ça, on a la drill. Dommage qu'on n'a pas le diamant, c'est pour qu'il y ait un peu de soucis dommage.
Mais on a fait bah, ce fameux APA qu'on ira faire dans l'épisode la semaine prochaine, dans l'épisode de la partie con, je veux dire, de l'Invasion Starbound. On sera pas le quatrième boss et le dernier du jeu, bien sûr. C'est pas pour autant que la série s'arrêtera, hein, vous inquiétez pas, j'ai déjà dit au début de la série que on va continuer jusqu'au level 10. Hein, et qu'on sera, full armure, vu que je vous ai montré encore des lieux. Ça sera pas des lieux maison, tout ça, ce sera des lieux de vieux planète, on va dire. Mais j'aurais déjà fouillé, c'est un peu dommage, mais bon, je vous montrerai quand même, ça sera pas mal déjà. Bon voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 11 de Universe of Starbound. Et je vous dis... Jouez bien. Bye bye.